Alors, je sais pas ce que vous avez prévu ce soir, hein, mon cher Fabrice. Je n'embête plus que les réseaux sociaux depuis le temps que vous mettiez en place. Mon cher Paulo César, votre plat préféré au Portugal quand même, parce qu'il y a des endroits au Portugal où on mange des choses extraordinaires. On vend toujours notre cuisine française, mais on mange les poissons, évidemment, tout ce qui est ceviche, c'est très très bon. Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Moi, au bois feijoada. C'est brésilien, ça, plus que portugais. Non, pas du tout. C'est les petits pois qui vous remuent, là? Non, les petits haricots. Les haricots. Les haricots, oui, je plaisante. Avec du riz sec, c'est excellent. Voilà. J'aime beaucoup. À l'autre jour, j'étais à Nazaré. Vous connaissez Nazaré? Oui, bien sûr. Oui, oui. Une petite balade entre... Jumelé avec un breton. Oui. Oui, ah. Tout à fait. Tu vois, j'allais le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a les plus belles vagues du monde. Oui, il y a la belle vague, oui. C'est un peu la même, même vague que Bélarin ici à Bidart. Voilà. Et là-bas, il y a une spécialité où ils font dans un plat en terre, ils mélangent les crevettes, des poissons, vous voyez ce que je veux dire là? Oui, avec un petit peu de riz au fond. Mmh, oui. Oh, ça s'appelle comment ça? Non, mais après, c'est tout à fait. Après les noms, je ne connais pas tous les noms tout par cœur, mais. Oui. Mais c'est bon, hein? Ah oui, c'est bon. Normalement, c'est. Ah, que c'est bon. C'est. Comment ça s'appelle? C'est le riz avec les poissons, ça s'appelle. Bon, on va trouver. Vous savez quoi? On va saluer David Savary qui va nous rejoindre. Ou non, peut-être Laurent Guénin ce soir. Il se partage, vous savez, à chaque fois. Peut-être que c'est Laurent. J'ai un petit doute, mais je pense que c'est Laurent Guénin. Je crois que c'est Héros Malena Ligne. C'est Laurent. Tu sais comment s'appelle le riz avec. Avec tous les crustacés dans. Trouvez-moi ça, monsieur. Moi, je vous retrouve. Héros Malena Ligne, je crois que c'est. Oula, c'est trop compliqué pour moi. Déjà, les pages telles de notes, c'est compliqué. Laurent, sois vigilant, parce qu'ils veulent te concurrencer. Parce que là aussi, chez nous, au Doubiban, on a des passionnés qui se déplacent et qui font la cuisine. Monsieur Fabrice, je t'avais demandé une petite recette. Je ne sais pas si tu as pu le faire. Moi, j'aime, tu sais, le dessert. Hein, les pages telles de notes, pour moi, c'est. Voilà, il n'y a pas, pas photo. Alors, figure-toi qu'hier soir, en partant avec Étienne, on a cherché à trouver la meilleure recette pour toi. Et il s'avère que Étienne a dit qu'elle serait maigre. Et donc, je te propose qu'Étienne te présente la recette. C'est bon le poisson. C'est Étienne qui te présente. J'ai fait une petite recette. Mais on est. C'est toi qui n'as pas mangé? Non, pas du tout. Mais j'ai ma recette et je vais te la révéler maintenant. Aïe. Attention, je crois. Voilà. C'est la recette du soir. Oh non. Alors, voilà. On a 50 centimes, un petit billet de 5 euros. Voilà. C'est pas terrible, mais c'est la recette. Il faut savoir se contenter de peu. Voilà. Mais très bien, je vois que ta reconversion est assurée, tu seras Dame Pipi Garça Lazare. Exactement, j'ai 2,50 euros, 5 euros. Voilà. N'oubliez pas la recette du Doubiban, c'est pas beau ce que tu fais quand même. Oh, la recette portugaise ou fidjienne, elle est belle votre recette ce soir. Bravo, alors du coup, comme on s'est dit qu'on pouvait pas te laisser sur ta faim comme ça, on a demandé à Paulo César s'il pouvait quand même nous aiguiller ce soir, et il nous a proposé. Il a dit attention, je vous donne pas les proportions, mais du coup il peut nous proposer quelque chose. Oui. Allez Paulo. C'est le pastis portugais. Donc ça s'appelle pain de l'eau. Et en fait, c'est très simple. Hein. C'est les mêmes proportions pour tout. C'est qu'on prend 3 œufs, ou on prend 4, 5, 6, comme on veut. Et on sépare la jaune d'œuf avec des blancs. Donc, si on met 3 œufs, on met 3 cuillères de sucre et 3 cuillères de farine. On mélange le tout. Va doucement que je note. Va doucement, je note. Ah, d'accord. On mélange le tout. Une fois que c'est bien, tout est mélangé. On bat les blancs en neige. Et comme il faut, et après on mélange le blanc en neige tout doucement avec l'autre partie, et après on met au four 180 degrés pendant je ne sais plus trop combien de temps, mais voilà. Et on reçoit le pain de l'eau, ça s'appelle. C'est le pastis portugais. Au pain de l'eau. Pain de l'eau. Ouais, pain de l'eau. D'accord. Bon, mais très bien. Et t'as toujours mon plat préféré. Moi j'ai trouvé. À Nazaré, vas-y. J'ai trouvé arroz de marisco. De Marisco, Rodmelisco. Après, j'ai pas l'accent, mais c'est ce que je vois. Tu l'as vraiment pas, en fait. Hein, Rodmelisco. Mais j'ai la recette. Mille fois merci, parce que vous êtes décarcassé. Le de faire une blague pourrie sur la recette de Dame Pipi. Non, mais franchement, vous savez quoi? Toute l'équipe de Radio Sport viendra dîner chez vous. Avec plaisir. Voilà. Ça, c'est quand vous voulez. Ah, on est 69, donc... à la maison, on est habitué à 45 le dimanche, donc voilà. Mais c'est vrai, vous avez cet accueil qui est quand même assez formidable.